Eh bien, salut tout le monde, c'est Adenos, on se retrouve pour un nouvel épisode bonus de Link to the Past. La dernière fois, nous avions fait le premier donjon du Dark World, le temple du palais des ténèbres de la mort qui tue. Et là, on va aller vers le donjon 2 en mourant en deux coups. Alors, les cyclopes font 3 cœurs apparemment. Continue sur sauvegarde, on va aller à la pyramide. Ah, mais je suis content de l'apprendre qu'ils me font 3 cœurs. Ça fait un magnifique début de vidéo comme ça. Pas mal de mourir, hein. Moi j'aime bien. Le décès, ça me plaît. Sans faire de mauvaises rimes. Dégage, salon. Oh non! Oh non! Non, 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 non! Ah, c'était obligatoire de faire ça. Je sais qu'il y a un bug pour faire un objet en même temps courir, mais je crois que ça marche pas sur la version GBA. Oh, des crânes! Non! On va aller à notre maison. C'est où notre maison? Ah, c'est là-bas, mince. La jolie maison. Mais en vrai, on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre, il me semble, les donjons. Donc bon. Mais au moins, ils sont indiqués. Tu as fait le plein de cet objet, tu n'as besoin de rien d'autre. Je vais te parler. 100 rubis les 30 bombes. 30 bombes pour 100 rubis. C'est cher. Ah, je sais. Je sais où je veux aller. Mais dégage avec tes bombes, toi. Pouf. Il a cru qu'il était qui, lui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Putain, mais vous êtes chiant, même dans ce monde là, putain. C'est pas ici. C'est pas ici. C'est où qu'on améliore ces objets? Oh, tant pis. Allez ici, mais dégage, mais dégage, mais dégagez. Ah ouais, c'est un bouclier. Mais je m'en fous de ton objet, mais dégage. C'est par ici. Oui. Mais ouais, c'est le même donjon que Link to the Past. Comment je suis mort? Comment suis-je mort? Attendez, ça fait combien de morts? 2 en 3 minutes? C'est quand même un peu beaucoup. Hein. Ma vraie question, c'est comment tu retournes dans le Dark World? À part en retournant à l'endroit où t'as mis ton téléporteur, mais c'est super relou à faire. Enfin, si t'oublies où tu l'as mis, tu fais comment? Enfin, est-ce qu'il apparaît sur la carte? Ouais. Allez, déjà que si on fait qu'un seul donjon par épisode, on n'est pas prêt d'avoir fini là. Mais c'est de la merde. Oui, bah oui, game over, victime. Ah, ça fait une sauvegarde. Ah, c'est cool ça. Pardon. Dites, mais dégage! Mais arrête d'aller à l'envers aussi là dans les menus, dans mes links. Un vrai handicapé. Là. Un pire que Breath of the Wild. Breath. Je mords par un oiseau. Je crois. Non.
Oh non, 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 you don't. Du coup, moi déjà, je vais faire ça. And I say you goodbye. Niveau 2, palais des marais. Je joue pas avec le retour. Link, c'est moi, chercherai l'un. Les objets existent simultanément dans les deux mondes avec un aspect. Cela affecte l'aspect de son jumeau. Ah, si on change des trucs ici, ça l'affecte dans le vrai monde. Et donc, c'est comme dans A Link Between Worlds. Oui, j'ai dû réfléchir. Ne me jugez pas. Oui, j'ai eu des bombes. C'était trop bien. Voilà, parce que c'est symétrique comme ça. Et je sais ce qu'il faut faire. Faut activer l'eau. Évidemment, là, c'est le mauvais. Ah, là, ah, c'est pas compté comme un donjon. Et du coup, maintenant qu'il y a de l'eau ici, eh ben, il y a un quart de cœur que j'ai pas pu prendre. Oh, attendez, on va essayer un truc. C'est ici. Ah non. Monsieur. Attends, je veux la truite. Peut-être qu'on peut l'attraper. Je ne sais pas. Est-ce que je peux nager? Mais oui, j'ai les palmes. Baka. J'espère que ça va pas être un donjon chiant. Déjà, enlève-moi ce miroir. C'est la merde. Putain. Alors, je sais pas pourquoi j'ai eu envie d'appeler ce trail Myrtille. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça avait l'air drôle, apparemment. Oh non, 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 non. Et pourquoi il y a une bulle d'eau là? Ça sert à quoi cette... C'était quoi la tâche? C'est pas une main j'espère. Ah non, c'est une bulle d'eau. Attends, moi je veux ça. Et c'est quoi ces trucs noirs par terre? Ah, des gélatibules. Qui s'appelle des chouchous, mais c'est pas grave. Oh non, 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 non. Merci le portable, mais il y a des notifs de partout là, calmez-vous. Oh, une clé. Oh, je sens que ça va être le donjon des angoisses avec des clés cachées partout. On va tuer tous les ennemis. Parce que là, ça fait déjà deux clés d'affilée comme ça. Et tu vas pas me dire que je tape pas le bordel là. Ça va quoi ces blocs? Une clé. Une clé. Ouais, quand je vous le dis, bon ça va, c'est pas très bien caché. Hein. Quand tu mets un seul crâne comme ça en plein milieu. Oh non. Mais chiné, chiné. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le tuer, mais et voilà. C'est vrai que pour le tuer, il y a la technique du crâne. Il passe là. Est-ce que c'est vraiment un mur fissuré? Mais la cinématique. Ah oui, c'est vraiment un mur fissuré. Une clé. Mais non. Waouh, il y a des trucs bizarres qui sortent de trucs bizarres. Non, c'est bien ce que je pensais, mais elle sert à quoi cette statue? Parce que tu vas pouvoir enlever l'eau. Non.
La statue ne sert à rien. C'est officiel. Ce boomerang ne sert à rien aussi. Mais c'est drôle de le prendre. Mais la goutte d'eau qui fait déborder, je sais pas quoi. Oh non! Un jour je serai doué à ce jeu. Est-ce que l'eau est restée activée du coup? Ça pourrait être pas mal. Et sympathique. J'ai pas envie de retuer le raid de Skeleton. Oui, c'est. Je pourrais casser les crânes aussi pour avoir des cœurs, mais non, c'est trop useless apparemment. Ouf, lui, il faut que je lui tire la langue là. Oh, je vais lui tirer la langue. Ça marche pas. Oh, mais c'est des trucs qui pop à l'infini ça. Mais genre, on peut pas lui tirer la langue. Oh, mais la déception! Oh, mais le coffre, il est là en mode troll dès le début en plus. Oh. On va y aller comme ça. Je suis sûr de pas me prendre de trucs dégueulasses à la gueule. Hein. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas envie de savoir. Ça servait à quoi? Ah ça. Du plein du diabolique maître du donjon. Je suis diabolique. Je suis handicapé, du coup je suis diabolique. Voilà la technique pour tuer ces ennemis chiants. Le feu ça mouille. Pas d'interrupteur. Ah, des Y. Ah, ce son. Le son du picotis. Et elle fait n'importe quoi cette boule de feu. Elle est drunk, hein, je crois. Allez, on va ici. Ouais, c'est le grappin, je pense. Si on peut s'accrocher au crâne, c'est le grappin. Tant que c'est pas un truc aussi chelou que sur cela, russe. Non, il y avait des astuces de faire des trucs comme ça aussi. Oh no you don't. Du coup on va faire ça. Ah mais est-ce que pour la suite il vaudrait pas mieux changer? Bon, tant pis, on va laisser ça comme ça au cas où. Je pense qu'à un moment l'eau là on va devoir l'enlever. Ou je ne sais pas. Parce que c'est quand même bizarre qu'il y ait des blocs là comme ça en dessous du pif. Pas les picotis. Je vais te tuer toi, de fois que tu fasses un secret de merde. Que cette fois je peux les pousser. Oui. Ce n'est pas très efficace. Aïe! Voilà, comme ça, ça marche mieux, pareil. Attendez, je vais me mettre en ne pas déranger Discord, ça pourrait être pas mal aussi. Ouais, ça sera peut-être mieux, voilà, si je fais ça. Ne pas déranger. What? Mais d'où tu passes à travers les murs, toi? Mais respecte au moins les trucs de la physique de je sais pas quoi de mon.
Vas-y, ce jeu, c'est de la merde. Allez, on y retourne. Petit à petit, Link fait son nid. Ah non, mais dans ce jeu, tu perds tellement vite ta vie. C'est abusé. Par là-bas. Je me croyais encore plus loin. Non, mais je suis trop pressé dans ma tête. Tata. 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 On peut pas monter là-bas. Tata. Forcément. Forcément. Tout ça pour que je me serve du boomerang qui sort dans le jeu, quoi. Parce que c'est tellement de la merde, il paralyse même pas les ennemis. Et ça tape même pas les bons ennemis, les crânes. Hein. Peut-être qu'il y a un truc là-haut. Attendez. Je sais pas si j'ai déjà pris, si je l'avais déjà pris. Je suis juste con. Au moins, on a regagné notre vie, quand on respawn, voire un peu plus, je crois. Ah mais la goutte d'eau, elle est énervée. De retour dans la salle du démon. Mais putain, mais... C'est de la merde. Coffre. Mais ça fait quoi cette merde? Est-ce que cette merde sert à quelque chose? Si j'allais voir là-bas, qui sait? Non. Il me faut la grande clé. Une fois que j'aurai la grande clé, je suis débloqué. Mais c'est par là, c'est obligé. C'est obligé. Attendez, si je l'ai poussé autrement, les bordels aussi, ça marcherait peut-être mieux. Vite! Non! Je me sens arnaqué. J'ai le droit. Merci. Ah les gros trolls. Y a pas des achievements sur les rubis. Augmenter son truc au max et tout. Ouais, allez, spoilez-vous là. Spoilez-vous les boss, moi je regarde pas. Golden Sword. Ah, y a 4 niveaux d'épée carrément. 4 bouteilles, ça, voilà. La poudre magique. Magic Cape. Avoir 999 rubis. On a combien de coeurs? 6, 7, 8, 9. Mais dans ce jeu, il ne doit pas y avoir beaucoup de réceptacles cachés. Parce que tu en as 10 dans les donjons. Donc il doit y en avoir que 7 x 4, 32. Comparé à un Twilight Princess, hein, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Il en faut 5 au lieu de 4 pour faire un cœur. C'est pas ce qui leur est passé par la tête. Eh, hey, j'ai la foi, on va pas mettre une heure à faire le donjon. Je suis déterminé. Mais vas-y! Tadam, c'est de la merde. Oui, du moment que j'ai la grande clé, je m'en fous, je grimpe. Hein. Pourquoi je fais de la merde? Pourquoi je fais de la merde? Pourquoi ma vie c'est de la merde? Pourquoi ma vie c'est de la merde? Pourquoi j'ai plus de cœur? Respire.
T'es mort, toi, tu crèves. Au moins, c'est fait. Et toi, tu décèdes. Ils ne sont pas morts de la même façon, ces mules. Surtout du même vocabulaire, en fait. C'est pas grave, c'est de la merde, on s'en fout, je dis de la merde, je dis de la merde. Je dis tout le temps de la merde. Surtout ce jeu, il me fait craquer mentalement, limite. Parce que j'ai fait une pause d'une heure, hein, quand même. Le temps que je mange. Hein. Parce que c'est... Le dernier donjon, il m'a énervé, on va dire. Ouais, j'aurais fait ce donjon en défi, ça m'aurait saoulé. Faites mon défi, j'aurais dû faire faire les 7 temples de Link to the Past, en fait, ça m'aurait... Voilà. Après, c'est sûr, Zelda, il est pas dans la tête d'un développeur pour faire des trucs de psychopathe. On va dire. Et des trucs tordus comme ça. Ah, j'ai bien fait de faire ça. Putain, je m'aime. Le retour de l'angoisse. Il a la grande clé. Oh, mais oui, la grande clé. Oh, oui, la grande clé. Toi, tu crèves. Bah, bah, oui. Regardez-moi ces stalkers à chaque fois là. Ils campent devant le truc. Fais comment pour pas te faire toucher? Et juste le grappin, j'aurais mieux fait de mourir tout de suite parce que je sens que je vais mourir là de toute façon. Mais oui, mais j'ai déjà tout pris, du coup ça respawn pas le temps que tu meurs. Ce jeu, c'est ce jeu te se fout de ta gueule. Hein. Ouais, cling. C'est le grappin, il se détend, il se contracte et cling, il peut agripper beaucoup d'objets. Et je me trompe encore d'objets, mais putain, mais c'est quoi cette merde? Oui, c'est moi, mais. J'ai pas de clé. Mais tu meurs tellement vite! J'en ai marre. Elle est où cette foutue clé? La clé de merde. Elle est où? Oh, ça fait des dégâts aux ennemis, ça, tiens. Ah non, mais c'est les bulles d'eau aussi, là. C'est de la merde. Pourquoi vous avez mis ça dans le jeu? Dégagez les bulles d'eau là. On n'est pas dans Pokémon. Mais oh mon dieu, mais comment j'esquive ça? Oh mon dieu, ça tue ça. Trop bien. Du coup là t'es un peu dans la merde si tu veux l'enlever. Allez, j'ai la foi, c'est ici. Ah c'est ça qui fait le boomerang en fait. Oh oui, la logique, oh oui, la logique des jeux vidéo. On l'aime, on l'adore. Je pense savoir où c'est, mais je vais mourir avant parce que c'est de la merde. Mais les flammes du troll. Merde, c'est marrant. Je promets. Et cette salle, c'est toutes les mêmes, les salles. Si comment tu veux te repérer dans cette merde? Je retourne où j'ai eu la clé en fait, je crois. Je crois que c'est ça là, les ambiances. Et c'était pas là, mais c'était fait exprès. Évidemment.
pour vérifier s'il y avait rien. Mais non, c'est pas là, mais... Mais c'est quoi ce bruit de merde, putain? Mais là-bas, mais... Je pense qu'il faut que je désactive l'eau quelque part. Hein. C'est forcément ça, c'est un temple de l'eau, c'est pas pour rien. Hein. C'est bizarre, c'est dans tous les temples de l'eau que t'as le grappin en plus, pour ajouter bien de la merde. Au final, j'aurais dû aller en haut. Ok. Ça me dérange pas. Tant que je passe cette salle de mort. Cœur. Donnez-moi des cœurs, bordel de merde. Crève. Ah, je peux m'accrocher au bloc comme ça aussi. Et c'est quoi leur hitbox à ces trucs de merde là? C'est pour ça que l'épée elle a une bonne portée. On peut pas enlever l'eau. Sérieusement. Peut-être que si je fais ça. Peut-être que si je fais ça. Peut-être que si je fais ça. On sait jamais, hein. Laissez-moi avoir des idées, bordel. Hein. Ici. Oh oui, celle-là. Oh oui, celle-là, connasse. Deux clés. Mais deux cœurs! Deux putain de cœurs. Allez, j'y crois, on a presque fini le donjon. Mais bon, c'est pas drôle si c'est pas des salles de merde. Vous avez vu cette esquive de la boule? Ah, oh, c'était magnifique. Ça, c'était de la merde. Je tiens à le dire, c'était de la merde. Merci. Bining. Putain, mais pourquoi j'ai pas pensé à aller là-bas? J'ai cru que mon grappin avait bugué. C'est de la merde. Je crois que je souffle dans le micro quand je fais ça, alors. Hein. Je vais essayer d'arrêter. Oula. Sale chiante, sale chiante, sale chiante, sale chiante. Allez, c'est une salle où il faut tuer tous les ennemis, j'y crois. C'est pas la même salle? Ah mais non, c'est encore un autre étage. Oh purée. Je suis à l'étage. Ah mais encore un étage là. Ah mais il est exploré, c'est bon. Elle est là. Elle est là. Oh, si tu passes par là, t'es obligé de vider l'eau. Mais les bulles d'eau quoi, c'est des ninjas. Et ça, mais tu veux faire comment? Ça me rend fou ça. Un coffre qui... Non. Non, il peut pas y avoir des coffres utiles dans le genre clé. What?
Allez, on va aller à gauche. Hein. Je crois à moi. Tire la lampe. Putain, mais c'est de la merde, ces trucs qui tirent des rayons. Mais oh, mon Dieu, mais je déteste ça. Regardez, tu peux pas tuer les ennemis sans te faire toucher. Mais c'est quoi cette merde? Je crois que j'aurai ma dose de Zelda pour aujourd'hui. Mon Dieu. En plus, il fait chaud, quoi, ça aide pas. Et cours, mon petit. Mais rebondis pas! Et nage plus vite! Oh mon Dieu, je me suis pas fait toucher. Oh mon Dieu, ça mérite un trophée. J'y crois, le boss c'est de la merde, je vais le faire sans me faire toucher. Et là, t'arrives à y toucher au grimpin et Link il a poussé la statue d'une façon très bizarre. Allez, sans les mains avec son ventre. Regardez-moi ça, mais... Et le pire, c'est que ça passe à travers les murs, quoi. Elles servent à rien, ces statues, ou comment ça se passe? Ok, j'ai compris le truc. Non, j'ai pas compris. Non, j'ai pas compris. Ah non, parce que si je re-remplis d'eau, ça sert à quoi? Va là, va là, va là avant de mourir. Okay, c'est pourquoi il y a autant de blocs, j'aime pas ça. Pourquoi il y a des monstres qui spawnent à l'infini dans cette salle, bordel? Non, va pas là, va dans la grande salle. Ouais. Merci la carte. Là-bas, c'était pour de la vie. Super. J'ai envie, limite envie d'y aller pour me suicider. Parce que je sais que je vais mourir en y allant. Parce que c'est de la merde. C'est de la merde. Oh mon Dieu. Va te faire foutre. Mais non. Allez, il y a une petite clé là, j'y crois. Super, je suis allé pour rien. Je le vis bien. Et c'est l'essentiel. J'y crois qu'il n'y a plus besoin de petites clés là. Et pourquoi il n'y a pas des téléporteurs pour aller au boss plus vite aussi, sérieusement? Et pourquoi il y a du courant, mais bordel! Mais il meurt. C'est pas le même niveau, je peux pas le tuer, c'est ça? J'ai les chouchous. J'y crois, y a une fée. J'y crois, y a une fée. J'y crois pas. Allez, prends ton grappin là, ton grappin d'handicapé. Okay, c'est un boss à la crapoteux. Ah, c'est le même que dans Triforce Heroes. Quelle inspiration.
Reste là-bas pour faire ton attaque, ouais. J'y crois à mort pour le faire sans me faire toucher. Allez, le vrai boss commence. Attends, pas le taper par derrière parce que ça va être une hitbox buggy. Te fais pas toucher. Et je suis censé le toucher au grappin. Je suis censé faire quoi? Je suis censé faire quoi? Je vais le faire sans me faire toucher, je suis déçu là. Sérieusement. C'est quoi cette arnaque? Si t'as pas la baguette de glace, tu fais comment? Mais c'est infaisable! Faut tirer à l'arc. T'es obligé d'avoir la baguette de glace. Sérieusement. Ou je sais juste où faut taper son œil, évidemment. Pauvre con. Sérieusement, faut pas te servir de l'objet du donjon. Jusqu'au bout. Il n'y a même pas de fée dans ce donjon. Et moi je sais pas où il y en a dans l'Overworld, alors ça comptait pas sur moi pour aller en chercher là-bas. Et je veux pas me taper le chemin jusqu'à l'autre donjon. Hein. Moi je veux le téléporteur avant. Enfin, le truc qui téléporte, l'ocarina, je sais pas quoi. Parce que je sais qu'il y en a un, alors c'est bon. Allez, va jusqu'au boss là, me saoule pas. Ils font tellement mal, t'as pas moyen d'améliorer ta tunique, genre une tunique bleue ou rouge. Parce que c'était la mode à l'époque. Déjà qu'il a les cheveux roses. Pourquoi pas faire une tunique rose, tant qu'on y est. Putain, mais tape-le, mais tape-le, mais tape-le. Putain, le boss, je sais pas comment t'es censé le tuer, hein, si t'as pas la baguette de glace. Tu dois lui mettre du feu dessus. Je crois moyen. Évidemment, là, l'eau, elle va être remontée, là. Regardez. C'est bon. Les trolls, ils en ont eu marre. Par contre, toi, tu vas te faire foutre, cordialement, ta maman. Les ennemis se mettent en pause quand on monte un escalier, j'avais pas remarqué. Il en aura galéré à mourir. Lui. On faut déjà ça, mais. Mais la deuxième phase, quoi. Oh my god! J'étais sous l'eau! Connard! Allez, va mourir contre le boss. Ah bah il m'a touché, il m'a enlevé deux cœurs, tu sais pas comment. Mais regardez-moi ça, mais... Mais ce boss! Oh, mais ce boss! Mais... Oh, je l'aime pas, mais je l'aime pas. Et puis vas-y à faire la deuxième phase sans te faire toucher. Bah oui. Prends ce... Allez, viens. Ouais, fais ton attaque. Sérieusement, tu reviens. Attends,
Sa hitbox elle est buggée, j'ai pas envie de me faire toucher pour rien. Ah, la caméra magnifique là. 20 sur 20. Allez, c'est le moment, tu sais pas comment on fait. Et c'est le moment où tu crèves comme une merde, mais comme une merde. Oh, comme une Je reviens à Ellipse. Troisième essai. On va attendre. Hein. Vu qu'apparemment l'épée le touche finalement. Quand il est dans sa deuxième phase. Ah là là. Alors que la première fois ça a pas marché, hein, mais on va rien dire. Mais viens pas si proche! Je sais pas d'où je l'ai attrapé, mais c'était magique. C'est risqué. Putain, mais sérieusement, ça me touche. Mais c'est dégueulasse. Deux. Non. Quatre. Cinq. Je crois que plus qu'une et ça suffit. Non! Sérieusement, il a combien de PV? C'est 7 comme dans Sonic? 7, 8, allez. Mais non! Quatrième essai. Mais tout ça me touche! Eh, ça commence bien là. Putain. Ce boss de mort. Moi aussi j'aurais des améliorations. Ce serait peut-être plus facile, mais je sais pas où elles sont. Lol. Évidemment, on n'en touche pas. Surtout pas. Attrape-le. Bon, déjà, le faire sans se faire toucher, c'est déjà raté. J'aurais bien aimé avoir mes lasers, mais non, il y a un truc qui m'a touché juste avant que j'arrive. Parce que c'est tellement bien foutu. Deux. Trois. Je crois que je suis mort au dernier coup tout à l'heure. 4. Pour moi, c'est 8. Évidemment. Prédiction de merde. Mais il est à l'envers! Cinq. Sinon, il n'y a pas de stress. 6. 7. Faut le faire au début, sinon tu stresses trop. 8. Donne-moi
Comment ça? Ouais, dans les marais, ouais. Tu dis la même merde. Je pense je vais non sauvegarder ouais continuer moi je refais pas ça bon bah eh bien j'espère que cet épisode vous aura plu hein. N'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous dis à la prochaine pour encore plus de rage même si ça va être dur mais bon hein. On fait confiance au jeu allez bye.